Salut tout le monde. Bon, j'ai rechangé de rivière là. Il n'y a pas de stalking aujourd'hui. Là, ça sert pas à grand chose là sur ce secteur là. Ça arrive hein, des fois en plein été, on en voit. Hein, on a déjà vu des beaux poissons avec un pote hein, qui était calé dans les herbiers. C'est surtout un endroit de passage en fait entre la tenue des poissons et puis les postes de chasse quoi. Donc là ici, il faut être patient quoi. Faut être patient puis pas bah, attendre que ça passe quoi. Donc c'est pour ça que je vais me mettre là. Donc, je vais mettre une canne avec du foie de volaille et des cœurs de poulet là pour essayer de que ça tienne bien. Après celle-là, de toute façon, je vais pas la lancer loin, je vais la lancer à 4-5 mètres de la bordure grand max. Par contre celle-ci, je vais mettre que du cœur de poulet justement pour pouvoir balancer plus loin. Alors, c'est quoi les signes que je vise? Je ramène. Ouais, là normalement, je suis pas mal. Là, en principe, je suis sur le sable. Par contre, ouais, la canne du bord, ça va le faire. L'herbe, ça va pas me gêner. Par contre, celle-ci, ça va être plus tendu. Au passage, j'ai regarni différemment là qu'avec du cœur. Quand même, ouais, essayer de faire une bouchée un peu plus conséquente. Quand même. L'hameçon là il est garni à mort, c'est quoi ça? Eh putain! Ah baiser! Ça m'a baisé, putain! C'était peut-être pas du blanc. Ça c'est un petit cylindre, mais merde. Voilà, là il y a un poisson. Oh, il a pas l'air mal. Hein. Pas très gros, hein, mais. Il y a un beau poisson quand même. Allez, on va me faire chier ce con. Ah, il est parti dans le lave ici. Ah, il va passer dans l'autre canne. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il est tout noir, bah il est tout noir, pas si noir que ça, mais il a la tête bien sombre. Bon, c'est pas gros, hein, mais ça fait plaisir quand même. Ouais, je sais que t'es pas fatigué, mais je voulais pas te laisser trop faire. Allez,